Pour sa 45e édition, le Festival international de la BD d'Angoulême, qui ouvre ses portes aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche, a choisi de mettre l'accent sur le pays du manga. La création japonaise est la plus prolixe de la planète, a précisé Stéphane Beaujean, le directeur artistique du festival à l'AFP. En France, selon une étude de l'Institut GfK, le manga représente en effet 35% du volume des ventes de BD, le secteur le plus dynamique du marché du livre, avec 43 millions d'albums vendus en 2016. Alors que Paris et Tokyo célèbrent cette année le 160e anniversaire de leurs relations diplomatiques, trois grandes expositions seront consacrées à des auteurs japonais phares pour la première fois en Europe à Angoulême. Leurs noms, Osamu Tezuka, surnommé le RG japonais, père notamment d'Astro Boy, Hiro Mashima, l'un des grands noms des mangas pour la jeunesse, et Naoki Urasawa, monstre sacré du thriller japonais, avec des œuvres comme Monster ou 20th Century Boys. Mashima et Urasawa, présents à Angoulême, animeront chacun une masterclass lors de l'événement.